C'est dans l'arrêté ministériel numéro 001, premier du genre signé le 3 octobre dernier, que le ministre des Eaux et Forêts, le colonel Maurice Tosu Alogo, a demandé à l'industrie du bois de passer à l'adoption du nouveau système numérique de traçabilité du bois du Gabon, SNTBG. Le nouveau système national vise à générer et à mettre à la disposition du public des données forestières essentielles par voie électronique, à suivre tous les produits du bois, de la souche au porc, dans l'optique de stopper la déforestation et de lutter contre la corruption dans l'industrie du bois. Fruit d'une collaboration du gouvernement et plusieurs partenaires, le SNTBG comprend une application mobile pour collecter des données à 9 points de la chaîne d'approvisionnement sur le terrain, ainsi qu'un site web pour gérer une base de données géospatiale et un portail pour surveiller visuellement le mouvement des marchandises. Les entreprises d'exploitation forestière et de transformation du bois opérant au Gabon ont désormais 6 mois pour adopter le système et se l'approprier. Grâce à cet outil dans le pays, les consommateurs du monde peuvent désormais retracer les produits du bois jusqu'à leur point d'origine dans la forêt, le long d'une chaîne d'approvisionnement numérique et vérifiable.